A miracle may come our way, and our orders will be understood and obeyed. Within 6 months or a year, the Jewish problem could be solved. Not only in Montreal, but also from one end of Quebec to the other. There would be no more Jews left here other than those who could survive by living off one another. The rest would clear out or would be forced to disperse and seek their livelihood in something other than business. Lionel Groux, Action Nationale, April 1933. J'enseignais dans un cégep, le cégep FX Garneau à Québec. Et je donnais un cours sur les idées politiques au Québec. Alors, arrivé aux années 30, j'ai commencé à me rendre compte que il y avait probablement eu beaucoup plus d'antisémitisme et que le fascisme avait été bien plus prévalent que ce qu'on en disait. Mais il y avait de louables et très considérables efforts pour pousser la poussière en dessous du tapis. À ce moment-là, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une thèse de doctorat sur ça? Sur le fascisme au Québec dans les années 30 et l'antisémitisme. Allez, t'as le bouquet! Those weak-minded believers in democracy who reject the Church and Christ are horrified by fascism, whatever form it may take. Nevertheless, today, some nations have found great happiness and experienced the most magnificent rebirth under this form of government. In Mussolini's country alone, they would see a real head of state who has instilled his decadent and dying nation with the taste, the passion, and the greatness of resurrection. Lionel Groux, Action Nationale, May 1937. Au début, avant la guerre, je me souviens, moi, qu'on parlait à table avec beaucoup d'admiration de Mussolini, par exemple, qui avait asséché les marais pontins, hein, quelle merveille, et qui avait signé un concordat avec l'Église, c'était bien important pour nos maîtres jésuites. Alors, tout ça faisait que des types comme Mussolini étaient mis sur un piédestal, sans parler, évidemment, de ceux de Salazar puis de Franco, qui, eux, étaient portés au nu, hein, ils n'étaient pas mis sur les autels, mais pas loin. Alors, je commence, je me suis tapé les 3650 exemplaires du Devoir qui ont paru de 1929 à 1939. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une manne, qu'au contraire, loin de ne pas avoir assez d'articles, mais j'en avais bien que trop. J'en avais une pléthore. J'ai fini par ramasser 1007 articles. Georges Pelletier, Managing Editor, Le Devoir, April 17, 1937. To a Canadian who asked, haven't the Jews of France become completely French since they took part in your war effort and even served in your army? An unprejudiced professor from the Collège de France who had just praised several of his great Jewish countrymen, answered recently, the most intelligent Jews, the ones without any racial feelings, will always remain Jews. Their minds don't grasp things, don't see things, don't understand things the way a French mind does. A Christian educated mind. Je voyais bien que les réactions des professeurs étaient pas très... très enthousiaste ou très... Moi, je trouvais que c'était très intéressant, ce que je faisais. Et ça, c'était reconnu. Il me disait toujours, « Ah, c'est intéressant. Ah, mais c'est dangereux. Tu sais, il ne faut pas parler de ces choses-là. » Tout le monde était très conscient. Jusqu'à temps qu'un professeur me dise, très gentiment d'ailleurs, il dit, « Tu sais... » Il dit, « Vous... » Non, il me vouvoyait. Il dit, « Vous rendez-vous compte que vous êtes en train de commettre un suicide professionnel, le savez-vous? Madame Delisle a fait une étude de plus d'un millier d'articles, comme je disais, du Devoir. Et une série d'articles qui a contribué, si l'on veut, à tenter de soutenir sa thèse à l'effet que le Devoir était antisémite, ben, ça a été tiré d'une chronique. Beaucoup plus d'une chronique, si vous voulez, que des pages éditoriales du Devoir, c'est-à-dire la fameuse chronique du Grincheux. Le Devoir, A Grinch's Notebook, July 19, 1934.
In France, Osovich has become Osso. Here, they've shortened Kalashnievsky to Karo. The Jews have streamlined their names. If all the Jews took French-Canadian names, they would lower their crime rate. A philosopher's observation: if the Jews steal our names, it means that they must be worth something. It's all we have left. Cette chronique était considérée comme une espèce de chronique d'humour noir. Et c'était pas signé. Comment peut-on soutenir une position éditoriale aussi sur un sujet aussi grave que l'antisémitisme lorsqu'on ne peut avoir de sources plus solides? Chaque jour, il y a un éditorial antisémite. Il y a une caricature antisémite en première page du Devoir, il n'y a pas beaucoup plus en première page, et vous me dites que le journal n'est pas antisémites. Et ça dure pendant des dizaines d'années. Jusqu'où pouvez-vous aller dans l'invraisemblable? Mais Le Devoir avait été fondé pour éduquer les Canadiens français. Ah, moi, je me dis une chance qu'il ait échoué, hein? Parce que qu'est-ce qui se serait passé s'il avait réussi? Mais ma parole, on aurait eu un pogrom. On a, ça dépasse l'entendement. T'sais, sale, métèque, circoncis, criminel, malade mentaux, déchets des nations. Ça, c'est tartare infecté de sémitisme. Ils sont sales, ils ont des gros nez croches, ils ont les doigts crochus, ils sentent mauvais, ils habitent des ghettos pouilleux, ils vont déclencher une deuxième guerre mondiale, puis il faut toutes les déporter vers la Palestine. Ça, c'est Le Devoir. Des années 30, précisons. Le Devoir, February 7th, 1930. We haven't noticed how jazz has declined in America. My knowledge of music isn't great, but I have always had it in my head that jazz must be of nigger origin. I spoke with my good friend, Fred Pelletier, who erased all my doubts. Jazz is a nigger invention. Later on, it was modified by American composers, notably by the Jew, Irving Berlin. So it's a nigger and Semitic cocktail, and I don't like that kind of cooking. N'oubliez pas que l'antisémitisme est né avant Groux. Et que l'antisémitisme n'est pas nécessairement seulement au Canada français. Et que l'antisémitisme qui est au Canada français, c'est un antisémitisme qui est porté à se refermer sur son seul et propre problème. Allons-nous survivre comme Canadiens français? Alors, dans l'antisémitisme, très souvent, il y a la peur de l'autre. Et quand l'autre apparaît puissant, on a deux fois plus peur. Anatole Vanier, Action française, Montreal, 1923. What we need is our own Edouard Drumont, who would pull out his magnifying glass and spot the Jews scampering all over Quebec, in commerce and industry, inside the banks and the financial world, in the professions, in politics, and in the salons. We would find a Jewish merchant from Saint-Gabriel-de-Berthier banking the money that good countrywomen have handed over to him after shunning the stores of their own compatriots. Stupefied, we would see that same Jew laughing with his family at those same countrywomen who kneel every night before the statue of the Sacred Heart standing in the churchyard. Et quand le Juif arrive ici et qu'il prend en main l'économie du vêtement, je ne suis pas économiste, là, je donne des exemples qui sont peut-être très gauches, mais je les donne quand même, ils ont peur. Et là, M. Vanier, qui lui, est, je crois, penche vers l'économie, lui dit, il ne faut pas qu'il vienne, il s'empare de tout. A speech by Alfred Rouleau, quoted in Action catholique, August 13, 1943. I invite those citizens with enough conviction and independence to step up to the platform, especially the property owners. Don't be embarrassed, you're at home here. The building of a synagogue was an act of impertinence. Buying from our own is the only way to respond. I say to the city authorities that before they concern themselves with minority rights, they ought to take care of the interests of the majority,
who has been living here for more than 300 years. Quand j'étais jeune, moi, pas mes parents, mais les voisins nous pointaient et nous disaient, non, tu vas pas à ce magasin-là. Il y avait ici à Québec, il y avait un magasin qui s'appelait Mozart Limité. Il y avait H, Solomon H. Il y avait plusieurs magasins comme ça et Pollack. 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 C'est incroyable, hein? Bon, le magasin, le fameux magasin Pollack. Alors, dans le village où j'étais, en fait, la petite ville qui était Sillery, on nous disait, ou on nous demandait, t'as pas acheté ça chez les Juifs, à quelque part, à un moment donné, c'était, bon, il y avait une consigne. The League of Independent Merchants, May 1935. If you ever buy bread that was made by a Jew, don't eat it before you've carefully examined every slice. If you find little black spots, don't put it in your mouth. Those little black spots are crushed cockroaches. The Jewish bakeries raise these small bugs. They weigh more than flour and they don't cost anything. Always buy your bread from Christian bakers who bake Christian bread for Christians. Mais ça a échoué. Ça n'a jamais marché. Si la masse des Canadiens français était tellement antisémite, mais ça aurait été un succès retentissant, je ne dis pas que ça n'a pas marché jusqu'à un certain point. Il y a sûrement eu des endroits où il y a eu des commerçants juifs boycottés, mais ça n'a pas été un mouvement massif général. Maurice Pollack n'a pas fait faillite. Pourtant, il y avait une pléthore de curés dans la ville de Québec qui disait tous les dimanches qu'il ne fallait pas acheter chez Maurice Pollack. Ah, mais tel que je pense que j'ai appris à connaître la mentalité du temps, les gens devaient dire, on n'ira pas. On n'ira pas. Ils sortaient, puis ils y allaient. Ils disaient une affaire au curé, puis ils en faisaient une autre quand ils sortaient de l'église. Tu sais? Alors, et ça, ça montre bien l'immense division, la division très, très profonde qu'il y a au Québec entre une petite classe de l'intelligentsia, ce que j'appelle des fourmis intelligentsia, et le reste de la population. Donc, le scandale a été dans ce petit groupe-là. Et je crois que le pire péché, c'est qu'elle touche inconsciemment à un mythe de l'histoire officielle, qu'un certain nombre d'élites intellectuelles étaient franquistes, pétainistes, comme si c'était beau d'être franquiste, ou pétainiste, mais pas éclairien. Ce n'est pas vrai. Les gens qui entouraient le chanoine Groux étaient pro-Adolf Hitler. Esdras Mainville, Action nationale, octobre 1935. What we want, what the leaders of Action nationale want, what our great master Lionel Groux wants is actually quite simple. If the National Socialists intend to restore the honor, save, cultivate, and exalt everything German, if they desire to bolster Germany's traditions and its spirit, restore its own belief in itself and its own genius and destiny, if they wish to return Germany's dignity, its pride and joy in living the German way of life, they are doing healthy, intelligent, good work. They are setting an example for many other peoples. I hope that I am clearly interpreting their intentions. What Gonzague de Reynald wished to see from Hitler and his brown shirts, he could truthfully write today about l'Abbé Groux and the leaders of Action Nationale. Esdras Mainville, que j'ai très bien connu, qui est un homme très affable, très pacifique, patriote, mais pas aussi illuminé que Groux, que Esdras Mainville écrit ça, il n'est pas possible que cet homme-là puisse penser à notre manière aujourd'hui. Mais il l'a écrit. Et c'était justement au tout début une pensée qui circulait. L'Action nationale, Groux, Mainville, Maxime Raymond, tous ces gens-là sont ensemble. Et ils pensent, eux, que Hitler va donner aux Allemands, vous savez, l'Allemagne, pour nous, c'était la patrie des musiciens, Bach, tout cela, qui va donner enfin à l'Allemagne une splendeur, de sorte que ça deviendra un pays extraordinaire.
c'est un peu comme quand tu as une tante dans la famille qui est pas tout à elle, qui est un peu coucou, tu sais, qui est un peu folle. Tout le monde le sait, mais personne n'en parle. On ne parle pas de la tante ou de l'oncle. Ça, c'est le squelette dans le placard. Hein? Bon. Et là arrive soit une étrangère de la famille ou encore pire, quelqu'un de la famille qui se met à crier sur tous les toits que ma tante est folle. Il y a une tante folle dans la famille, il y a une tante folle dans la famille, il y a une tante folle dans la famille. Tout le monde, tous ces gens-là le savaient, mais il ne fallait pas le dire. Le Devoir, April 21st, 1933. The Jeune Canada meeting at the Jésus last night was a great success. The main hall was completely full and a large number of people who couldn't find seats had to stand at the entrance where they installed a loudspeaker. Mr. Pierre Dansereau, the meeting's chairman, gave a lively speech. This Jewish question is much more serious than it would first appear. The difficulties we had organizing this meeting have given us an even clearer idea of the power of the Jews in Montreal. Now, ladies and gentlemen, those who govern us have no fear about speaking openly in favor of the Jews, about an alleged persecution in Germany, on top of it all. They have no fear of expressing the support of the city, of the province, of all of Canada, in a vote against the German authorities who are acting unjustly against the Jewish plutocracy. Does the Jewish element represent a greater power in Canada than the voice of our own blood? Nous avons suivi et nous avons été soutenus dans cette déclaration antisémite par beaucoup de gens anglophones comme francophones. Les Juifs étaient responsables de nos malheurs financiers et autres. On a pris cette trompette-là, on a eu un succès énorme qui nous a fait réfléchir par la suite, et aucun d'entre nous, que je sache, certainement pas Laurando ni moi, n'avons persisté. Nous avons été assez tôt, quelques années plus tard, à répudier cette erreur de jeunesse, mais on nous présentait là, au point de vue politique dans les universités comme ailleurs l'alternative Rome ou Moscou. Alors le communisme était à rejeter de toutes les façons possibles, et quelle meilleure défense contre le communisme que le fascisme? A speech by Camillien Houd, quoted in Le Devoir, February 8, 1939. If war breaks out, and it looks as if it will be soon, and if Italy fights England, the sympathy of the French Canadians of the province of Quebec will be for Italy. We French Canadians are Normans, not Latins, but we have been Latinized over the years. French Canadians are fascist by blood, if not by name. Latins have always favored dictators. In Roman times, when there was no dictator, the people elected one. Moreover, French Canadians have always lived under a dictatorship. When they came to Canada, it was during the regime of Louis XIII. Then came Richelieu, dictator and cardinal all in one, making him absolute dictator with plenty of authority to deal with the communists of his time. Si on fait un portrait de l'antisémitisme dans les années 30, allez voir ce qui se passait aux États-Unis, ce qui se passait dans le reste du Canada. Les Canadiens français n'étaient peut-être pas plus anti-juifs que ne l'étaient les gens de l'Ontario, des provinces maritimes ou de l'Ouest. C'était une attitude très répandue. The
Canada of the 1930s and 40s would be entirely unrecognizable to Canadians today. It was a country that was xenophobic, nativist, anti-Semitic, and racist. And Jews were at the bottom of the heap. They were the pariahs of Canadian society. There were quotas, there were obstacles put in the place of Jews. They couldn't get jobs in various professions. There was not one Jewish professor in the entire country. The principal of McGill University talked about McGill University being the yeshiva university of the North. And this was a real fear. It was not a pleasant experience for the Jews of English Canada in the 1920s and 30s. Mackenzie King was an anti-Semite. He could deal with Jews as individuals, as he would put it. Some of his best friends were Jewish, but he couldn't deal with them as a group. Allowing them into Canada, he felt, would cause bloodshed in the streets, particularly in Quebec, and would cause problems of unity. So in the end, Mackenzie King and his government made sure that Canada had the worst record of any immigration country, of any Western country, in keeping Jews out of Canada. A municipal resolution against immigration. Prime Minister, considering that a Jewish committee with significant capital has formed in Brussels to facilitate the immigration to America, especially to Canada and Argentina, of hundreds of thousands of Jews who Germany has judged as undesirables. Considering that a large proportion of communists and anti-Christians can be found among these immigrants, considering that it has been proven that a large number of communist leaders have been recruited among the Jews in every country, as well as in our own, considering that our country must remain Christian and must do everything to destroy the communist ferment, the councillors of this municipality ask the Canadian government to keep our borders strictly closed to all non-Christian immigration and to all immigration from wherever it may come. Albert Chrétien, Mayor. So the anti-immigrant crusade, and it was a crusade, was led by the Saint-Jean-Baptiste Society, by the church, and by their organ, which was Le Devoir. Le Canada français est resté fidèle. Voilà le thème de la parade de cette année. Le Canada français est resté fidèle à ses origines, à sa foi, à sa langue, aux leçons de son histoire. Il est resté fidèle plus que jamais aux enseignements de son patron, Saint-Jean-Baptiste. Montreal, March 31st, 1936. To all Saint-Jean-Baptiste societies of Québec, Ontario, and Winnipeg, Saint-Boniface. The newspapers have brought to the attention of the Canadian people that Jewish immigrants who have been chased out of Germany are entering Canada in large numbers. Every association should make strong appeals to the federal government on this matter. It is advisable to invite the municipalities to act in the same manner. We invite the mayors of cities and parishes that meet the railway lines to watch the trains and inform those who lead our movement if they spot any Jewish immigrants. Your devoted, Alphonse de la Rochelle, Chief Secretary, Saint-Jean-Baptiste Society. Mais tout ça est à rejeter, sauf de la mémoire. Il faut le rejeter, sachant que ça a déjà existé. Mais il ne faut même pas chercher à gratter, dire oui, mais, par ailleurs, cependant. Tout s'en va au panier. And we start from scratch. Et on recommence à zéro. Sachant que ça existait, cependant. Alors, voilà, moi, ce que je réponds à tout ça. Ça m'a fait à moi, mon cher. La référence au train, là, vous voyez ce que le train peut vouloir dire dans le conscient et dans l'inconscient d'un Européen et d'un Occidental. Ça m'a fait à moi dresser les cheveux sur la tête. Il faut le faire, compte tenu de mon système capillaire. Cet homme dont on a voulu faire le chanoine Grou un héros de la pensée québécoise, est un importateur de conceptions minoritaires d'extrême droite, païen, raciste, importé de M. Charles Maurras de France. Everything seems impossible or terribly difficult without this blessing of anti-Semitism. It settles and simplifies everything. If we weren't anti-Semitic because we are patriots,
we would become anti-Semites because of the opportunities it provides. Charles Maurras. Quand j'étais étudiant à Paris, à la sortie de l'église Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement, avec des copains, on vendait l'Action française. Moi, j'ai été membre de l'Action française quand j'étais étudiant. Mais je sais que même le Bigrou était maurassien, il n'y a pas de doute là-dessus. Charles Maurras, il a eu une influence considérable ici à Montréal. Alors, il y a du chômage, les Juifs. Il y a des grèves, les Juifs. Ça va mal, c'est le Front populaire. Léon Blum, un Juif, voilà. T'sais? Dreyfus a trahi, bien certainement, c'est un Juif. Alors, Lionel Groulx n'a pas été original, il n'a rien inventé et il n'a pas été le seul à s'inspirer de l'Action française. Et il trouvait là du dynamisme, il trouvait là aussi, il avait une admiration inconditionnelle pour la culture française. Alors, ils sont ici, mais ils portent des lunettes qui fait qu'ils se croient un peu en France. Alors, ils adoptent le même vocabulaire, ils adoptent les mêmes luttes, même s'ils ne sont pas sur le même continent. Et des fois, quand on le relit plus tard, ça donne un drôle de décalage. Mais à l'époque, leur univers mental est vraiment fixé sur la France. Évidemment, pendant la guerre, au moment des événements même, les Canadiens français étaient pétainistes. Nous l'étions tous. Je veux dire, moi, j'étais un tout jeune blanc-bec de 16 ans ou quelque chose du genre, au moment où Pétain est arrivé, ou 17 ans. Et puis, ben, je n'avais aucune espèce de formation politique d'aucune manière. Alors, je lisais Le Devoir, mais je lisais les journaux, puis... Quand on lisait Le Devoir régulièrement, on ne pouvait pas s'empêcher de penser que Pétain était l'homme de la situation, puis pratiquement un envoyé de la Providence pour sauver la France de toutes ses misères, de toutes ses corruptions. Ô maréchal, chef du peuple de France, chevalier, espoir des jours nouveaux, Trois-Rivières, de Saint-Louis, la Vaillance, la souvenir des creux de Roncevaux. Que jamais plus la France ne chancelle, mais retournons à l'honneur ancestral, comme au beau jour de Eugène la Pucelle. Chef du peuple de France, chevalier, espoir des jours nouveaux. Pétain représentait lui aussi l'autorité religieuse, l'autorité morale, et lui-même avait déclaré que la défaite de la France était presque une punition de Dieu à cause des excès que la France avait fait du côté de l'émancipation par rapport à la religion et à la morale. La France de gauche ne les intéresse pas. Léon Blum, la Troisième République, pas du tout. Ça, c'est une France que la plupart, je dirais, une grande majorité de ceux qui font profession de pensée au Québec, ça ne les intéresse pas, sinon pour honnir cette France-là. La honnir, la détester, l'exécrer, vouloir l'abolir. Marcel de la Sablonnière, quartier latin, December 19, 1941. Revolutionary France, the France of Freemasonry, secular France, sectarian, atheist and pornographic France, the France of Robespierre, Combes, Jaurès, and Blum, the France of Voltaire, Renan, Couchou, and Zola, the France of Anatole France, of Proust, and of the Marguerite brothers.
This France has disgraced herself. We are no longer her sons, and we do not wish to imitate her. The work of Pétain and his team rechristens France in the waters of its own baptism. He restores France's genius to its most authentic Greco-Roman values. The French nation can now rediscover its power and creativity through resplendent works, and rebuild her society by incorporating the best aspects of her past. Firm and stable authority, democratic corporatism, and fervent Christianity. Bon, il y a un monsieur là-bas qui associe son nom, dont le nom est associé, c'est plus qu'associé, qui a été le vainqueur de Verdun, bon, très bien, qui dit, moi, je vais sauver les meubles. Je suis sûr que le réflexe de la plupart des gens de dire, bon, ben voilà, c'est une bonne carte à jouer. Mais je dirais que les réflexes, travail, famille, patrie, ça, c'est beau, ça, au Québec, travail, la famille, la patrie, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Alors, je suis sûr que simplement, par les résonances un peu superficielles, comme ça, vous avez eu des réflexes qui, globalement, poussaient les gens dans ce sens-là. Henri Bourassa, Le Devoir, October 29th, 1941. If we use good judgment in planning the affairs of Europe and the world after the war, I think that Pétain's France, Franco's Spain, Salazar's Portugal, even Mussolini's Italy, will exercise a healthy influence upon the world. Mais ce qui a sauvé le Québec, c'est qu'il y avait justement seuls des gens soi-disant éclairés lisaient Le Devoir. S'il avait fallu que la masse des gens lise Le Devoir, mais moi je pense que la situation aurait été mille fois pire. Tu lis Le Devoir là, tous les jours, pendant 10 ans, tu es convaincu que les Juifs, un, veulent détruire le monde, deux, veulent détruire le Québec. Je n'ai jamais été moi-même témoin de manifestations antisémites, sauf durant une manifestation anticonscriptionniste en 1942 qui a dégénéré en manifestation antisémite rue Sainte-Catherine. On a brisé les vitrines des petits commerçants dont les noms laissaient à penser qu'ils pouvaient être d'origine juive. Le Devoir, February 12, 1942. When the rally ended earlier than expected, the demonstrators tried to reach St. Lawrence Boulevard once again, after having failed in an earlier attempt that evening. Everybody cried, "Let's go to St. Lawrence Boulevard! Down with the Jews! Down with the Gazette!" C'était seulement le monde qui pensait. C'était le monde qui pensait qui battait les Juifs. C'était pas les ouvriers, c'était pas les jeunes Canadiens français des écoles commerciales. C'était pas les ingénieurs. Non! C'était la faculté des lettres, c'était le beau monde. Dostaller O'Leary, founder of the Young Patriots, Montreal, 1943. I was recently told the story of how a young French girl answered the following question from the mother superior of a Quebec convent. Does Pétain seem old to you? The little one replied, he's not young, sister, but he's handsome, great, and strong. Je me rappelle toujours qu'en novembre 1942, le 27e a défilé, l'armée a été dissoute. Et c'est le moment où mon père a passé dans la résistance. C'était un homme d'honneur. Et il a pensé qu'il était de son devoir de rentrer dans la résistance et de ne pas s'abaisser devant les Allemands. En fin d'année 1943 et début 1944, mon père est arrivé un jour à la maison, un soir, et il m'a dit « Le docteur Montel est l'être le plus abject que je connaisse. Je ne croyais pas qu'il soit à ce point, parce qu'il dénonce des gens à la Gestapo. » Vous voyez, il y avait toute une liste, mais mon père était en tête de liste et marqué, avec une annotation de la main du docteur Montel, « à surveiller tout particulièrement. » Pour moi, le docteur Montel est un monstre et un assassin.
Parce que ceux qui dénonçaient les gens aux Allemands savaient très bien, ils savaient parfaitement que quand ils les dénonçaient aux Allemands, ils les menaient en prison, en déportation et à la mort. Il est resté quelques jours à Buchenwald et ensuite il a été envoyé au camp de Dora, qui était un camp terrible. C'était Dora Elric. C'est là qu'il faisait les tunnels pour les V2. Et mon père est décédé au mois de mars 1945. Québec, February 28, 1948. Dear Monsieur Rumilly, I was happy to receive the letter you wrote on behalf of Dr. Montel, and I thank you. Rest assured that I will neglect nothing to guarantee that Dr. Montel can stay in Canada. I have already taken the necessary steps in that direction. Please accept my devout wishes to you through Jesus Christ our Lord. Maurice Roy, Archbishop of Quebec City. Alors, ils aident ces gens-là parce que, comme par exemple le cas du docteur Georges-Benoît Montel, ils le considèrent comme un héros. Ces gens-là sont des héros, c'est leur héros de la guerre. Même après la guerre, même après qu'on ait su ce que les Allemands avaient fait, les camps d'extermination, et même en France, ce que le régime de Pétain avait fait, surtout vers la fin, à l'égard des Juifs, puis alors là, évidemment, même à ça, ça n'a pas empêché que des collaborateurs notoires soient venus se réfugier ici, puis aient pu compter sur les appuis d'une élite nationaliste de l'époque. Ces collaborateurs nazis-là viennent à représenter les convictions de ceux qui les accueillent et de ceux qui vont les aider à demeurer ici. Texte by Quebec historian Robert Rumilly. Dr. Georges Montel, an eminent surgeon, was chief of staff at NC Hospital during the war. As a leading citizen in the region, he was named deputy mayor by the government of Maréchal Pétain. During the liberation, Dr. Montel was warned that the communists were coming to arrest him and no doubt execute him. Laval University has hired him as a teacher. The rector, fellow teachers, and students are forever praising him and are completely devoted to him. Laval University needs Dr. Montel and is totally resolved to keep him. Dans la ville de Québec, il est reçu dans plusieurs des bonnes familles de la Grande Allée, où habitait la fleur de la bourgeoisie de la ville de Québec, de la capitale. On lui fait même rencontrer le premier ministre. Alors, je vous le demande un peu, combien d'immigrants vont pouvoir se vanter de rencontrer le premier ministre en deux temps ton mouvement? Dr. Philippe Hamel, President, Committee for the Defense of French Refugees. Le Devoir, October 28, 1948. I am personally acquainted with two of these refugees and their families, Dr. Georges Benoît Montel and the Comte de Bernonville. I am honored by their friendship. I admire their noble spirit and their intrepid courage. Even if France would heap double its scorn upon them, I would willingly shake their hands. I was happy to welcome them to my home and do everything possible to lighten their burden. Les gens pouvaient dire, et il le disait d'ailleurs, on le lisait dans Le Devoir, que beaucoup de ce qu'on nous racontait des atrocités allemandes était de la propagande des Alliés. Ça, je me souviens d'avoir lu ça, peut-être pas dans ces mots-là, mais c'était ce qu'on laissait entendre dans Le Devoir, que tout ça c'était un peu exagéré, puis les camps de concentration, puis les ci, les ça, ben écoutez, il faut en prendre puis en laisser, etc. Le Devoir, October 28, 1948. Maréchal Pétain in prison is such a terrible injustice that we would have to go back to the days of Joan of Arc to find a greater one. Pétain stayed in France to save his honor, for the sake of France's honor and not his own. He should have gone abroad. Pétain remains great in his prison cell, and the real France hides her beautiful face in shame. Like Joan of Arc, history will not take centuries before it grants Pétain the full measure of his glory. La meilleure façon que je peux expliquer ça, là, c'est comme si on était dans une pièce et tous les murs étaient noirs
Et il y aurait une assemblée d'experts, je ne sais pas moi, des coloristes, mettons, ou des peintres, ou bon, même des chimistes, qui m'auraient juré que les murs étaient blancs. Et là, évidemment, tu doutes. Mais là, tu te dis, les murs, ils sont noirs. Non, ils sont blancs. Alors là, tu vas lire des livres de chimie, tu lis les grands spécialistes de la couleur, et là, tu arrives avec ta démonstration que les murs sont noirs. Mais non, ils continuent à te dire, les murs sont blancs. Ben là, à un moment donné, c'est eux ou c'est toi, mais il y en a un des deux qui a tort. Mais je me souviens que quand je suis arrivée à la conclusion, ma main tremblait un peu. J'avais peur. Je me rendais tellement compte que c'était quelque chose qu'il fallait pas dire que ma main tremblait. Alors finalement, le jour de gloire est arrivé. Alors, je me suis présentée au pavillon Caso de l'Université Laval où avait lieu la soutenance. La salle était pleine. Il y avait plus de 200 personnes dans la salle, hein, lors de la soutenance. La salle était bondée. Moi, je me souviens que les arguments de monsieur Lafleur étaient « vous êtes folle », très décorum académique. Peu importe les questions qu'on posait à Mme Delisle, elle s'en tenait de façon absolue, à son point de vue, à sa thèse, sans admettre quelque faiblesse que ce soit dans cette analyse, malgré toutes les questions qu'on pouvait lui poser sur sa démarche scientifique, sur la qualité de son analyse, sur la valeur, façon de parler, parce qu'il n'y a pas beaucoup de valeur là-dedans, de son instrument d'analyse, etc. Et c'était donc une soutenance, si vous voulez, d'une intransigeance, je dirais simplement déplorable. À ce moment-là, j'ai décidé, si vous voulez, d'y aller et de dire, écoutez, Mme Delisle, si vous prétendez avoir le droit de soutenir que vos locuteurs ont tenu un discours délirant, un discours fantasmatique, etc., je pense que moi aussi, j'ai le droit de soutenir que votre thèse n'est que le reflet de votre propre délire. J'ai dit, je suis pas folle. Et de toute manière, qui peut certifier scientifiquement que je suis folle? Est-ce qu'il y a un psychiatre? Êtes-vous vous-même psychiatre? Est-ce qu'il y a un spécialiste de la santé mentale qui peut signer un papier comme de quoi je suis folle? Non. Ni vous, ni personne d'autre. Donc, je pense qu'on devrait changer de sujet. Ça a été un silence de mort dans la salle. Vous savez, ce genre de silence qui dure à peu près, ne serait-ce que 20 secondes, c'est pas énorme. On n'entendait rien. Lorsque le président du jury, le directeur d'école des gradués, a rendu la décision du jury, tout le monde s'est levé. Donc, je me suis levé, mais je me suis appuyé sur le dossier de ma chaise et j'ai incliné la tête en guise de deuil, de contestation. J'ai dit, je l'ai eu. Oui. Puis là, j'ai donné un coup de tête. C'est envers et contre tous, envers et contre toutes vous autres, là, je l'ai eu. J'ai le diplôme. Depuis ce temps-là, je n'ai jamais, au grand jamais, regretté ma décision. Je vis avec cette décision, je vis très à l'aise avec cette décision personnellement. Et si j'avais à réévaluer le manuscrit aujourd'hui sur les bases qui prévalaient à cette époque, c'est-à-dire les bases, c'est-à-dire les données qu'elle a fournies à cette époque, je rendrais, monsieur, la même décision. La même décision. Elle ne délire pas. Et comme je disais tout à l'heure, la langue antisémite nous choque aujourd'hui, mais c'était à l'époque assez normal. En France, avoir été battu en juin 40 a laissé une cicatrice extraordinaire. La construction d'une mémoire est une chose compliquée. Quand on a vécu une défaite et 4 ans de collaboration, c'est difficile. Les années 30, c'était le moment de l'influence maximum de l'autoritarisme et le fascisme et de l'extrême droite européenne
ailleurs dans le monde. Et ça serait normal d'explorer ces influences au Québec, parce que ces influences ont existé partout. Un citoyen informé, un citoyen instruit, doit reconnaître la vérité, même quand c'est pas toujours très beau, très belle. Mais la vérité a un prix. Je me souviens, un moment donné, je m'étais écriée à une... J'étais avec une copine et on discutait et j'ai dit « Mais il n'y a donc personne ici qui veut savoir la vérité. » Et elle m'a dit « Mais Esther, tout le monde sait la vérité. Il ne faut pas la dire. Voilà tout. Il ne faut pas la dire. » Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Tu n'as pas besoin d'être un génie pour trouver ce que j'ai trouvé, que le pétainisme avait une vogue parmi un segment important de la population durant la guerre. Tout le monde le sait, mais c'est ça le Québec. Il ne faut pas le dire. »